Voilà. Coucou mes petits loups. Je suis désolée, vous tremblotez un peu. Mais ça devra se stabiliser. Voilà. J'espère que vous allez bien. Dites-moi ce que vous pensez de ce cadrage. Et pas trop mal, hein. Et pas trop mal. C'est assez sportif en ce que j'ai fait. Je suis d'accord. Mais je trouve que là, au moins, vous voyez bien mon plan de travail. Je suis en train de rouler sur je sais pas quoi. Bah, c'est ma fille qui est derrière. La valise. C'est la valise, il me dit Bibou. C'est la valise. Tu sais, de peur qu'on entende sa voix, tu sais. C'est la valise. Il fait rire. Il est trop mignon. Alors, comme tu peux voir, aujourd'hui, petite vidéo pour un unboxing de la Smart Art Box. Depuis que je la reçois, je vois que vous l'aimez pas mal. Et c'est à vous que moi aussi. J'aime beaucoup parce qu'elle est très diversifiée au niveau loisirs créatifs. Et je trouve ça super intéressant parce que tu peux avoir autant d'aquarelles que du dessin, que un peu de gravure, que c'est vraiment, il y a pas mal de... C'est pas toujours la même chose. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien même si tout ne m'intéresse pas. Par exemple, la gravure et tout, c'est pas trop dans mon délire. Mais après, c'est pas grave. On peut toujours faire plaisir à des copinettes qui aiment cette activité. Là, tu vois quoi. Et là, ce mois-ci, tu vas voir encore. En plus, on est super gâtés dans cette box. Encore une fois, agréablement surprise. Mais pas tout. Enfin, tu vas voir. Donc, comme d'habitude, elle se présente comme ça, avec le joli cœur de la Smart Art Box. Là, cette fois-ci, on avait un truc à bulles, tu sais. J'aime bien faire ça. Ça m'amuse. Oui, je sais, je suis une enfant. Je sais! Toujours ce papier de soie orange. Alors déjà, tu vois ça. Tu dis, oh, ça doit être, ça a l'air bien. Et ouais, je te l'accorde, c'est pas mal du tout. Donc, à l'intérieur, toujours deux tutoriels. Premier tutoriel que je ne ferai certainement pas, parce qu'il faut dessiner un masque. Et le dessin, et moi, ça fait 3000. Mais l'autre, ça va, franchement. C'est pour faire un beignet. Super sympa, tu vois, et t'as tout étape par étape, même si c'est écrit en anglais, tu vois. Tu comprends quand même par rapport au dessin comment faire. Donc, vu déjà les tutos, t'as déjà compris à peu près ce qu'il y a dans la box. Nous avons des feutres à alcool. Et pas qu'un peu, parce qu'on a quand même une belle boîte de 24. Des feutres à alcool marabout. Ils sont super parce que t'as un côté feutre moyen, épaisseur moyenne. Et de l'autre côté, t'as pointe très fine pour du lettering.
montrer ça. J'ai fait les yanciers et tout. Ah, j'ai fait ça bien cette fois-ci. J'ai mis les petits plats dans les grands et tout, et tout, et tout. J'ai tout préparé, ma vidéo et tout. Pour une fois que je n'avais pas en freestyle. Oui, oui, tu peux mettre la croix dans le calendrier. Tu as le droit. Je t'autorise. Tu as le droit. Alors, déjà, tu vois, ils sont comme ça. Je les trouve super beaux. Et ce que j'aime bien, d'une part, bon là, tu vois là, les mines, mais je vais te montrer en vrai. Et quand tu tournes, tu as le numéro du crayon, la couleur en anglais et la couleur en français. Non, j'ai fait un plan parce que... C'est juste mon jeu, je dois mettre le téléphone. Je voyais Pipou qui bidouillait son téléphone, je dis qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et tu vois, la mine, elle est comme ça. Oh, excuse-moi pour... Attends. Ouais, tu vois bien. La mine, elle est comme ça, de côté. Par contre, putain, elle peut être alcool. C'est super dur à ouvrir à chaque fois. Et l'autre mine, elle est comme ça. Alors, attends. Putain, je sais pas viser, moi. Voilà. Donc, là, tu peux faire du détrin. Et de l'autre côté, tu peux vraiment faire un colo très fin. Et quand tu appuies un peu dessus, eh bien, tu peux faire un trait plus épais, comme un broche, en fait. C'est vraiment c'est génial. Je vais te montrer mon yancier. J'étais vraiment très agréablement surprise. Vraiment. Par contre, j'ai pris du Bristol. Du papier Bristol. Et comment te dire que papier Bristol, ouais, c'est pas fait pour des encres alcool. Hein. Ça traverse, je te dis pas. J'aurais dû prendre un papier DCP, hein, tu vois. Donc, je te montre toutes les couleurs qu'il y a. Tu vois, il n'y en a pas de 4. Et je te montre mon nuancier. Alors, j'ai écrit avec la pointe fine. Et forcément, j'ai colorié avec l'autre côté. Et franchement, à part certains, mais c'est moi qui n'ai pas bien géré, je pense. Les couleurs sont juste magnifiques. Et je trouve que vraiment, tu vois pas trop la trace des crayons. Tu vois, là, c'est moi que parce que tu vois que j'ai fait qu'une seule couche. Et là, j'ai fait plusieurs couches parce que je voulais voir comment le crayon il réagissait. Comment le crayon réagissait. Un clair part bien à France. Ce serait pas mal. Et ici, j'en avais oublié un. Et c'était donc le beige. Et là, tu vois, heureusement que j'ai les mis sur mon nuancier. Parce que quand tu regardes le crayon lui-même, tu te dis pas c'est un beige, quoi. Tu te dis non, mais c'est un gris, un peu le truc bizarre. Attends, je vais te montrer. Si je prends dans le bon côté, ce serait mieux. Oh. Voilà, c'est celui-là. Regarde. Tu vois un crayon comme ça, pour toi c'est un gris, t'es bien d'accord. Et ce que tu vois à la caméra, c'est exactement ce que je vois en vrai. C'est vraiment... C'est vraiment ça quoi. Ouais. Eh ben non, c'est un beige, messieurs dames. Oui,
Alors que c'est pas le crayon. Ouais. Bof, bof. Je suis pas sûr que... J'ai fait un mieux aussi. Parce que... Et c'est celui-là. Sinon, toutes les autres couleurs, elles sont vraiment en raccord avec... avec à peu près avec le bouchon, enfin, tu vois. Et ça, par contre, ça, eux, ils appellent rose bonbon, je sais pas. Et par contre, je suis super contente parce que j'ai une couleur peau que je n'avais pas. Alors, par contre, la caméra, la luminosité, elle est super puissante. Voilà. Qui est beaucoup plus... Ouais, voilà. C'est comme ça. T'aurais peut-être pas que les mêmes écritures, tu veux. La caméra, tu vois pas bien. Tu vois pas bien. Voilà. Et l'autre, parce que... Papier Bristol, quoi. Hein? On est ravis. Et l'autre... Nuancier. Il a deux rouges, deux oranges, un jaune. T'as deux de chaque en fait. Et je trouve que c'est sympa de. J'ai oublié de faire des mélanges pour voir. Dégradé pour voir. Attends, je vais essayer. Je vais essayer de voir te faire un dégradé. On va faire avec les verts. Les trois verts là. On va voir s'ils se mélangent bien. On va voir. Donc on va prendre le vert foncé. Le citron vert. Et le jade. Alors, ah ouais, alors tu vois, maintenant ils sont pas durs. Bah, il faut ouvrir au moins une fois. Ah, parce que la première fois, c'était bien dur, hein. Alors. Voilà, le vert foncé. Après, on va prendre du citron vert. Dans ces jades. Je me disais bien que je suis en train de me tromper. Le citron vert. Et le jade. Oh. Sur Mademoiselle Bounty. Une vidéo sans Mademoiselle Bounty ne serait pas une vidéo, n'est-ce pas? Bah écoute, je vais te montrer. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout.
Regarde. Le souffle foncé, il y a vraiment des limitations. Mais je trouve que le jade et le citron vert, ils se font vachement bien ensemble. Je trouve. Bah écoute, après avoir ce que ça donne dans un colo, mais franchement, à faire mon ancien, vraiment, j'ai eu vraiment un réel plaisir. Vraiment. Donc, voilà pour ces crayons alcool de la marque Marabout. Je suis agréablement surprise. Hein. Je connaissais cette marque de nom. Marabout, c'est une marque aussi. Mais on n'avait jamais eu entre les mains, je crois. Ou très peu. Ou avant de faire du scrap, en tout cas. Enfin, tu vois, je m'intéressais pas. Voilà quoi. Ensuite. Ah oui, peut-être t'as envie de ça. Je vais te donner le prix du pack là. Parce qu'on a la chance d'avoir les prix là dans le Marabout Hero Galaxy Marker 7 de 24 pièces. $34.99. Ensuite, nous avons eu des stylos plumes à pigments ou des liners ou des, tu vois. Et alors, c'est de l'encre à base d'eau, la part de pigments, pardon. De l'encre à base de pigments qui ne bave pas, qui supporte très bien l'eau. Enfin, c'est super top. T'as un 0,1, 0,3 et un 0,5 au niveau des mines. Ils grattent pas du tout. Ils glissent. Quand t'écris avec, ils glissent. Super. Vraiment, ils sont très très agréables. Vraiment, vraiment. Je vais te montrer ce que ça donne. Je vais te montrer ce que ça donne parce que j'ai fait un autre nuancier et j'ai écrit les titres avec ces crayons-là. Et donc, eux, ils les appellent les pigment liners. $5.99. Et c'est la marque Art Alternative. Je connais pas du tout. Une fois, on avait eu des spectrums noirs. Que j'ai adoré aussi. Et là... Mais c'était de l'encre de chine, je crois. Oh, je ne sais plus, attends. Elle est où ma fille? Elle est où ma fille? Elle est là, elle est là. Ma fille, elle est pas là. J'aimerais bien que ça spectre 4-7. Spectre noir, ils sont là. Ils sont juste là. Et donc, c'était
3 pièces aussi. Oh, mon petit. Black Essentiel 2. Oui. Les Art Liner. Donc même avec une bonne vue, idéal la maman pour les petits détails. Encre à micro pigment. Bah tu vois, c'est la même chose. De haute qualité, solide à la lumière et résistant à l'eau. Sèche. Rapidement et résistant aux bavures. C'est la même chose. Tu vois, c'est juste deux marques différentes. Spectrum Noir et Art Alternity. C'est exactement la même chose. Donc, voilà. Et nous avons vu, mais ça c'est pareil, on en a déjà eu, mais d'une autre marque, on a vu des graphites, les graphites de Faber-Castell, mais il y en avait moins. Il y avait 6 pièces, je crois. Et là, c'est les Graded Sketch Pencil, et il y en a 12. Ça va du HB, du 6H au 10B. Pour faire des dessins et tout. Et donc, avec un cahier qu'on avait eu dans une précédente box, j'ai fait le nuancier de ces crayons. Et je t'assure, ils sont vraiment top. En plus, ce papier, c'est un... Enfin, c'est pour le dessin à crayonner comme ça. C'est génial, j'adore. Et donc, voilà ce que ça te donne. Et ici, tu vois, j'ai écrit avec le crayon à pigment là dont je te parlais. Et là, ici, tu as tous les crayons que j'ai mis, qui sont dans la boîte. Par contre, à l'intérieur, ils étaient complètement mélangés. Donc moi, je les ai reclassés. Tu vois, comme j'ai écrit ici, du HB au 6H au HB et du B au 10B. Et j'ai remarqué t'en as certains qui sont vraiment très similaires. Bon, celui-là, il se paraît plus foncé parce que j'ai vraiment insisté dessus. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Et puis après, pour faire tes dégradés, même au doigt, tu peux faire tes ombres au doigt et tout. Vraiment sans difficulté. Même encore là, ça fait plus de 2 heures que j'ai fait mon nuancier. Et tu peux encore travailler ta matière, quoi. Donc c'est vraiment... Et un vrai délice à travailler. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment. Bon. Comment te dire? Nouveauté. De la Smart Box. Une petite boule de... Voilà, cadeau, un petit cadeau, une petite boutique. Carrément dans la boîte, carrément dans la boîte, ma boutique. C'était le chat de Maggie aussi de la chaîne, le monde de Maggie qui lui avait fait le même coup aussi, qui s'était allongé sur son planeur et
Il voulait pas que sa maman nous montre son nouveau planeur. Bon, petit. Oui, je sais, tu manges dans moins de 20 minutes. Mais là, les petits loups, ils aimeraient peut-être bien continuer à voir ce qu'il y a dans ma box, tu crois pas? Non, tu veux pas? Non, elle veut pas. Bon. Bah, comment on fait? Comment on fait? Va voir papa. Bisous, papa. Papa, il va te donner à manger. Oh, papa, il va te donner à manger. Oh, la feinte. Oh, ça marche. Oh, oh, oh. Maman, elle est méchante. Et donc, nous avons eu avec ces crayons, parce qu'on a toujours un support avec, avec le matériel. On a eu trois, c'est vraiment des cartonnettes, hein. Trois cartonnettes de chez Crescent Creative Production. Ultra lisse pour marqueur. Oh là, c'est pas écrit en français, hein. Surface rigide. Surface rigide. Donc on a pour marqueur et d'autres et pour le lettering. Et vraiment, c'est super épais. Donc il y en a trois. Limite, limite, tu pourras faire des albums avec. Non, je plaisante. Mais ça a vraiment un sheetboard, quoi. C'est vraiment un sheetboard super épais. Je sais pas comment il fait de millimètres, j'ai pas à regarder. 5 pouces sur 7. Attends, par curiosité, je vais mesurer. Je vais mesurer combien il fait. Si je retrouve ma règle. Ouais, je vous l'attrape maintenant. Ah, d'ailleurs, quoi? Elle est partie derrière. Ouais. Merci, Bibou. Alors, elle fait. Oh. Elle fait 2000 mètres. Elle fait 2000 mètres, je sais pas si tu vois. Je vais réussir à te montrer. Ouais, tu vois rien. Bah, t'es obligé de me croire sur parole, quoi. Ouais, t'es obligé de me croire sur parole parce que j'arrive pas à te montrer. Je sais pas comment elles font, les super youtubeuses. Elles sont trop fortes. Mais je t'assure, elle fait 2 mm. Bon, bah, j'ai encore des progrès à faire dans mon cadrage. Mais on y arrive, on y arrive. J'aimerais bien pouvoir la mettre sur mon bureau et vraiment en plongeant au-dessus du bureau, mais c'est qu'après, moi, je peux pas l'attraper, là. L'appareil. Parce que pour filmer, ce serait parfait. Mais après, il faut avoir des grands bras pour l'attraper, tu vois, la truc. Il a détaché du support. Tu vois le schmilimiliblic? Tu vois le schmilimiliblic? Et j'ai presque fini, bon, tu sais, promis. Et l'autre, je vais pas le sortir parce que
Franchement, c'est la même chose. C'est juste le toucher qui est différent. Et c'est pour faire du lettering avec les... Et non, là, je suis pas d'accord, par contre. Non, là, t'es méchante. Elle est en train de bouffer mon chat, là. D'accord. Je vais dire, je vais lui aider. Pour Valérie de Scrap Influence, elle m'a offert. On m'a offert un joli sticker. Tu vois les petits chats de sirène? Bah, Bunker est en train de manger mon petit chat de sirène. Non, mais oh. Donc, tu vois. Et apparemment, tu peux mettre du marqueur, de l'aquarelle et ou de l'acrylique, je sais pas. Et donc, pour le lettering. Mais c'est vrai que, ouais, elles sont vraiment bien épaisses. Elles font 2 mm aussi. C'est exactement la même taille. Et donc voilà. Et comme d'habitude. Ah bah j'ai perdu. Comme j'ai perdu le petit autocollant. Bounty, tu m'as piqué l'autocollant. Bounty, elle m'a piqué l'autocollant. Excusez-moi, il y a Bibou qui donne à manger aux filles en même temps. Et comme d'habitude... Je voulais pas faire de bruit, pardon. On a le bonbon. Le petit bonbon acidulé qui est super bon. Voilà les petits loups. C'est fini pour cette vidéo unboxing de la Smart Art Box. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré qu'elle ait été un petit peu mouvementée à cause de notre cher Bounty National, n'est-ce pas? Et moi, j'ai très très hâte, en tout cas, de vous lire, de voir vos petits commentaires, de me dire ce que vous en pensez et tout. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end et que voilà. Et ben moi, je vous fais des énormes gros bisous d'amour et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, mes petits loups. Gros bisous.